Mesdames et messieurs, bonsoir. La CNPS à votre service vous ouvre comme tous les dimanches les portes de l'institution avec aujourd'hui l'inspection générale de la CNPS qui a organisé une rencontre de toutes les caisses de sécurité sociale des pays membres de la conférence interafricaine de prévoyance sociale à Grand Bassam. Les travaux placés sous la présidence du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, M. Moussa Dosso, se sont déroulés du 3 au 6 octobre 2016 autour du thème « Quelle inspection dans les organismes de sécurité sociale de la zone CIPRES ?» Suivons ensemble le reportage. La Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, sous l'égide de la Conférence interafricaine de prévoyance sociale, a organisé un séminaire international de formation qui s'est tenu du lundi 3 au jeudi 6 octobre 2016 à Grand Bassam à l'intention des inspecteurs des caisses de sécurité sociale des 14 pays membres de la CIPRES. Cette rencontre internationale a posé la problématique de l'inspection dans son organisation et dans son fonctionnement à travers le thème central suivant « Quelle inspection dans les organismes de sécurité sociale de la zone CIPRES ?» Les participants devraient regagner leur pays respectif avec un modèle d'inspection à adapter dans les différentes caisses de sécurité sociale. Ce qui a fait dire, à l'ouverture des travaux, au directeur général de la CNPS, M. Denis Charles Kouassi, que cette rencontre internationale des inspections des caisses de sécurité sociale devrait aboutir à des pistes de solutions susceptibles d'améliorer les performances de leur structure. Le secrétaire exécutif de la CIPRES, M. Innocent Makombo, a souhaité que les résultats de ces travaux soient en direction d'un modèle d'inspection plus performant. Le directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, M. Kone Kipea, a salué la tenue de ces assises en terre ivoirienne et a invité les séminaristes et l'ensemble des caisses de la zone CIPRES à prendre le pari de la compétence et de la bonne gouvernance. La tenue de ce séminaire à l'intention des structures d'inspection des organismes de prévoyance sociale des pays membres de la CIPRES répond à un objectif. La réponse avec le secrétaire exécutif de la CIPRES, M. Innocent Makombo, et le directeur général de la CNPS, M. Denis Charles Kouassi. Il faut mettre en place de nouveaux outils de contrôle pour que les inspections qu'on a mises en place puissent jouer son rôle et qu'on puisse effectivement ne plus vivre la situation que nous avons vécue vers les années 80-90. Ce séminaire vise à faire un échange entre les expériences des différents pays pour que chacun tirant bénéfice de l'expérience des autres puisse renforcer son système à lui. Il existe déjà des cadres d'harmonisation, mais vous savez que toute activité qu'on mène évolue dans le temps, dans sa complexité et dans sa diversité. Donc, il faut faire évoluer le cadre, il faut faire évoluer les compétences, il faut faire évoluer les procédures. Cette rencontre internationale devrait parvenir à la mise en place d'un modèle d'inspection de la zone CIPRES dont ses pays membres pourrait s'inspirer en vue d'une bonne gouvernance de nos institutions au profit des travailleurs. Et bien justement, pour en parler, nous serons en compagnie de l'inspecteur général de la CNPS, M. Sanogo Sekou. Bonsoir, M. Sanogo. Bonsoir, Sita. Merci de nous accorder un peu de votre temps. Alors, les caisses de sécurité sociale d'Afrique se sont réunies à Grand Bassam pour parler d'inspection. Est-ce que cela présuppose des risques de fraude au sein de nos caisses? La fraude est un phénomène qui n'épargne aucune administration, qu'elle soit publique ou privée. On la retrouve partout dans le monde. C'est pourquoi, à la CNPS, la Direction générale a mis en place un ensemble de contrôles pour la juguler. Au titre de ces contrôles figure l'inspection en premier plan. En plus de cela, elle a opté pour l'automatisation entière de toutes les tâches dans les structures. Et cette automatisation lui permet de maîtriser le risque au maximum. Monsieur Sanogo, vu l'enjeu de ce séminaire, nous avons vu plusieurs pays participer à ce séminaire. Les pays membres de la CIPRES ont-ils tous répondu à cet appel? 9 pays étaient présents à ce séminaire. Et ces 9 pays viennent d'Afrique centrale et d'Afrique occidentale, membres de la CIPRES. En plus, la particularité
de ce séminaire, c'est que ces pays sont venus avec plusieurs caisses. Et je vais citer la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Togo et le Mali. Et en raison même de l'importance de la question de l'inspection, au cours de ce séminaire, tous les participants ont contribué avec beaucoup d'engouement aux discussions. Et ce séminaire a été effectivement une plateforme d'échange entre toutes les inspections de ces caisses. Eh bien, M. Sanogo, nous avons recueilli l'avis de plusieurs participants qui sont venus du Togo, du Sénégal et du Niger. La raison de ma visite, de ma participation à ce séminaire, c'est que chez nous, il n'y a pas d'inspection. On est venu, au fait, participer au débat, voir quelles pourraient être les voies et moyens pour qu'on puisse implanter une inspection dans notre caisse. Et je pense que à la fin de cette cérémonie, de ce séminaire, nous avons été comblés de voir les recommandations et de la pertinence des débats. Donc, au cours de cet atelier, nous avions fait le point des différentes structures d'inspection. On a vu les forces et les faiblesses et les conclusions. Dans les conclusions, on a essayé de repositionner les caisses. On a essayé de discuter des outils les plus pertinents que les inspecteurs peuvent utiliser pour atteindre les objectifs, notamment l'extension de la sécurité sociale, de l'assurance maladie et des autres branches de la protection sociale vers les populations qui ne sont pas encore couvertes, notamment le secteur informel, les agriculteurs. Ce séminaire, pour moi, a été vraiment un moment de grande expérience et de partage. Et c'est une initiative vraiment qu'il faut saluer et encourager. Et nous avons vraiment beaucoup appris au cours de ce séminaire. Ce qu'on a découvert de plus au cours de ce séminaire, c'est surtout la méthodologie de conduite d'une mission d'inspection dans les organismes de sécurité sociale. Nous avons appris aux côtés des anciennes vraiment beaucoup de choses. Et on se réjouit pour ça. On espère que vraiment, on va essayer de mettre ça en application une fois retourné dans nos structures respectives. À écouter ces séminaristes, on se rend compte que toutes les caisses de sécurité sociale ne sont pas dotées d'une inspection. Pourriez-vous nous dire qu'est-ce que c'est qu'une inspection ? L'inspection est une structure de contrôle qui a une importance particulière dans les organismes de prévoyance sociale et aussi de veiller à la bonne exécution de l'activité dans ces structures. Autrement dit, le contrôle de l'inspection va porter essentiellement sur la recherche de fraude dans les structures et lorsqu'il y a fraude, les inspecteurs vont rechercher l'étendue de celle-ci au plan financier, au plan administratif, rechercher à situer les responsabilités dans la survenance de cette fraude et surtout vont faire des recommandations pour ne pas que le phénomène réapparaisse. Au cours de ce séminaire, nous avons vu plusieurs ateliers. Alors, quels sont les thèmes qui ont été abordés lors de ces différents ateliers? Pendant ce séminaire, nous avons abordé les enjeux et la place de l'inspection dans la vision stratégique des organismes de prévoyance sociale et l'organisation et le fonctionnement d'une inspection dans une structure de sécurité sociale. Cela nous a permis d'échanger sur la place de l'inspection dans la vision stratégique de nos organismes, surtout que vous savez que tous ces organismes africains sont en pleine expansion avec la création de nouveaux produits et l'extension de la protection sociale à d'autres couches de la population. Nous avons échangé sur la différence qu'il y a entre l'inspection et les autres structures de contrôle. Nous avons aussi également parlé des méthodes
de les méthodes d'approche et les méthodes d'investigation au niveau des missions d'inspection. Et enfin, nous avons recherché les moyens efficaces pour permettre la mise en œuvre des recommandations qui sont faites au cours d'une mission par les inspecteurs. Rencontres et échanges aboutissent toujours à des recommandations. Quelles sont les plus importantes recommandations qui ont été retenues au cours de ce séminaire? Au titre des recommandations, le séminaire a recommandé la place de choix qui doit revenir à l'inspection au sein donc des organismes de prévention sociale. En plus de cela, nous avons recommandé la distinction nette entre l'inspection et les autres structures de contrôle, c'est-à-dire l'audit, le contrôle de gestion, le contrôle interne. Nous avons recommandé la mise en place d'une procédure de travail, une procédure de conduite des missions d'inspection avec une charte de l'inspection pour harmoniser les méthodes de travail. Et nous avons aussi recommandé, nous avons mis en place entre nous une plateforme d'échange et de collaboration qui nous permet de nous rencontrer régulièrement pour partager les expériences. Voilà globalement les recommandations auxquelles nous sommes parvenus. Toutes ces recommandations ont pour objectif la mise en place d'une organisation et d'un fonctionnement efficient des inspections au bénéfice des assurés sociaux. Merci, M. Sanogo. Merci, Sita. Merci à vous de nous rester fidèles et retenez que la CNPS reste votre partenaire pour la vie. À bientôt.